Hey, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, la vidéo bilan de la chaîne Jerem Giroro. Je suis un peu en retard pour cette vidéo, j'ai vraiment pris du temps à la faire parce que je ne trouvais pas le temps tout simplement. Ma vie actuellement est un peu chamboulée, mais je m'en sors que du mieux que je peux. Donc je vous fais enfin cette vidéo que je sais certains attendent sur un peu l'analyse de ce qui s'est passé au mois de février. Donc c'était un très beau mois, on a fait 1727 vues. Avec un pic quand même à 108 vues, qui est un pic qu'on n'avait jamais atteint. C'est énorme le nombre de vues qu'on a réussi à faire ce jour. Donc voilà, donc la chaîne est en pleine explosion. On a de plus en plus de vues, sans pour autant des milliers de vidéos. Donc j'ai légèrement abaissé le nombre de vidéos, et pourtant de plus en plus de vues. Donc la chaîne commence à se faire connaître, c'est très très bien. Donc on va continuer sur l'analyse. On a eu quand même 23 j'aime, donc c'est bien. Je suis content parce que vous commencez un peu à... Tout simplement à participer à la vidéo, à donner votre avis, est-ce que cette vidéo elle vous plaît ou est-ce qu'elle vous plaît pas. Donc ça c'est super, et à ça en fait se lient aussi les commentaires. On commence à avoir des commentaires alors qu'avant on était sur les premiers mois 0 commentaire, de temps en temps un ou deux. Là on a quand même 20 commentaires, enfin 19 commentaires, et ça c'est super bien, il faut donner votre avis. Et j'adore passer du temps avec vous à discuter en commentaire. On parle de plus en plus, il y a des nouvelles personnes qui commencent à arriver, mettre un petit commentaire, etc. Il faut que vous me donniez votre avis sur ce que vous aimez ou ce que vous aimez pas. C'est super important pour que la chaîne évolue et qu'elle évolue dans le sens que vous le souhaitez, avec la vision que vous avez de la chaîne plus la mienne. On peut s'en sortir avec un truc très bien, alors que voilà, moi j'ai peut-être une idée que vous ne voulez absolument pas faire. Donc c'est pour ça qu'il faut communiquer entre nous, et l'espace commentaire est fait pour ça. On a ensuite le nombre d'abonnés qui a augmenté. Donc on a gagné 11 abonnés, on en a perdu 4. Des gens qui n'aimaient pas la chaîne, qui trouvaient qu'il y avait peut-être trop de vidéos, qui n'aimaient pas le contenu finalement, ou autre. Peu importe, il y a aussi le fameux bug de YouTube qui, quand on pose une vidéo, fait nous perdre des abonnés. Je crois que ce bug n'est toujours pas résolu. Dans tous les cas, on a eu 7 abonnés en plus, donc ça c'est super bien. On commence à avoir des gens qui se ramènent de plus en plus sur la chaîne. Actuellement, on est à un bilan de 5000 vues, 5300 vues au jour où je parle sur la chaîne. On va parler un peu de la catégorie homme-femme et de l'âge. On a toujours une majorité La moyenne d'âge est toujours de la quarantaine sur ma chaîne, et on commence à voir chez les femmes donc une part de femmes qui augmente. Je ne sais plus exactement combien il y a de pourcents, mais plus le temps passe, plus il y a de femmes sur mes vidéos, et ça c'est bien. Je suis pour la mixité, c'est pas mal, ça fait des discours et des dialogues un peu plus intéressants dans les commentaires, et ça échange un peu d'avoir des avis différents tout simplement. Et voilà, donc ça je suis super content qu'on commence à avoir vraiment de plus en plus de monde. Ça c'est super important pour moi. Donc on va regarder un peu les zones géographiques où il y a le plus de vues. Donc c'est évidemment, hein, de toute façon c'est la France tout simplement. Et on a que quelques peu, en fait on a quelques vues, une ou deux par-ci par-là. On a quand même la Belgique qui rassemble 60 vues, donc c'est déjà pas mal, c'est bien, il y a quelques Belges qui m'écoutent. On voit qu'en général le watch time, donc la durée moyenne de visionnage, est de 3 bonnes minutes, et on s'aperçoit voir que par exemple aux États-Unis j'arrive à 7 minutes, ou alors le plus étonnant en Guadeloupe à 9 minutes. C'est-à-dire que la moyenne des vidéos regardées, donc sur 3 vues, 9 minutes. C'est-à-dire que on me regarde quasiment pas, mais quand on me regarde vraiment, et ça c'est génial. Alors dans d'autres pays, comme par exemple le Canada, pour 2 vues, donc quasi même chose que la Guadeloupe, on est à 8 secondes. C'est des gens qui ont cliqué, ont fait ah je comprends pas, et qui ont quitté tout de suite. Donc c'est assez marrant de voir ça. Et voilà, il paraît Argentine ici, une vue, 13 minutes 40. Donc le gars, ça va être un Français, je pense, qui a été en expédition ou autre, je sais pas. Mais je pense pas qu'un inconnu qui comprenait rien à ce que je disais soit resté pendant 13 minutes sur ma vidéo sans rien comprendre. Donc voilà, je trouve ça super intéressant à voir. On peut voir ici, voilà, que les vidéos les plus vues sont toujours mon tuto, qui apparemment doit intéresser. Mon accident, vous êtes vraiment des salauds, vous aimez voir les gens qui stallent tout simplement. Tiens, la vidéo dure 13 minutes 40, ce serait pas le gars qu'on a vu juste avant en Argentine, il a regardé juste mon accident, ça se trouve. Donc pourquoi Giro et pas autre chose, cette vidéo qui fait toujours autant de vues, qui est la vidéo qui a le plus vue sur ma chaîne. Et on commence à voir aussi que vous aimez bien les économies, parce que prime de 200 euros, cette vidéo qui vient juste de qui est sortie très récemment, a déjà fait 80 vues. Et pareil, ma première heure de conduite, qui est une vidéo qui est pas mal vue, qui continue à monter alors qu'elle est assez ancienne. Donc voilà, c'est super, je suis content, je me fais de plus en plus connaître, et je commence à avoir un meilleur dialogue avec vous tous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est le petit topo habituel pour présenter ce qui s'est passé dans le mois sur ma chaîne YouTube. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.